Bonjour tout le monde, réveille-toi Sam. Quoi? C'est déjà le matin? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette machine à laver? Hé, je veux mon petit déjeuner moi. Où est mon petit déjeuner? Le voilà Sam, bon appétit. Mais dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Mince, l'école! Ouf, j'y suis. Mais je ne devrais pas avoir Géo à cette heure-là. Tout va bien, c'est de la physique. Je préfère ça. Et maintenant, on va aller... faire un peu de shopping. Du shopping? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'heure du déjeuner. Quoi? Déjà? Mais... Et maintenant, au lit. Bonne nuit. On a un petit slime. Si. Waouh, ce jeu est super intuitif. Vous voulez y jouer, les amis? Dans ce cas, il faut d'abord qu'on le construise. Allez, venez. Si, qu'est-ce que tu fabriques? Hop là! Regarde-tu, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Parfait, on s'y met. D'abord, nous allons construire la base de notre jeu. Pour ça, on va s'aider du rouleau de scotch. Les amis, armez-vous de stylos et de feutres. Si, si, donne-moi le scotch. Tiens, Sam. Génial, tiens, prends ce petit personnage en échange. Ça marche. Nous allons dessiner 4 lieux différents et 4 maisonnettes. Et tout ça avec un peu de magie. Et voilà. Attends, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Tiens, prends ça. Tu as raison. On va y remédier tout de suite. Voilà ta maison. Elle te plaît? Non, elle est vide. Et en plus, il n'y a aucune couleur. Ah, attends, doucement, tu as failli me faire tomber à la renverse. Il faut dessiner les autres lieux de toute urgence. Vite, dépêchons. Bien, chef. Ça tombe bien, j'ai déjà plusieurs idées. Waouh, regardez un peu le résultat, les amis. J'ai la tête qui tourne. Si tu veux bien arrêter, s'il te plaît. Ça va aller, Sam. Voyons voir ce qu'en pense notre amie. Elle est vide et en plus, il n'y a aucune couleur. Non, je n'aime pas du tout. Elle est difficile à satisfaire. Bon, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on se remet au travail. Tu vas voir, on va dessiner plein de petits objets. Et si on dessinait des bonbons pour l'épicerie? Et de la crème glacée, miam! Qu'est-ce que tu en dis? Et si on faisait un joli poisson, hein? Donne-moi juste une seconde. Et voilà. Et si, c'est un skateboard, ça? Génial, je vais pouvoir dévaler les pentes là-dessus. Doucement, Sam. Maintenant, on a toute une panoplie de petits objets à colorier. Prends ça, il faut qu'on ajoute des couleurs vives. Oula, en avant pour l'étape la plus amusante, les amis. Oups, tu as complètement oublié les édifices. Je vais lui donner un coup de main. Viens par là, petit dessin. Je m'en occupe. Ne fais pas l'égoïste. Profites-en pour faire une pause, Sam. Et si on plantait cet arbre dans le jardin? Non, Sam, il faut impérativement que ce soit du papier. Ah, comme tu voudras, Su. Nom d'une éruption, on pourrait peut-être... Et si on fabriquait un volcan avec de la mousse? Tu en as déjà un, tu te souviens? Oh, c'est vrai! D'ailleurs, les amis, la vidéo est disponible sur notre chaîne. Il y a vraiment beaucoup à colorier. Tu veux bien m'aider, Sam, s'il te plaît? Oui, laisse-moi juste le temps de me changer. Ça va être magnifique, ma chérie. Veuillez m'excuser, ma chère, mais j'aimerais savoir si vos travaux sont d'ores et déjà terminés. En effet, monsieur, magnifique. Je suis navrée, cependant, je vous ai tout de même mis ce petit arbre de côté. Merveilleux! Mettons-nous au travail, voulez-vous? Il me semble avoir comme une impression de déjà-vu. En tout cas, je dois bien avouer que c'est un travail de qualité que vous avez fourni. J'apprécie. Bien, maintenant que j'ai rempli mes obligations, je peux revêtir mon habit de tous les jours. Ça rend super bien. Dites, les amis, vous aimez les couleurs vives? Si oui, mettez un j'aime. Et dire que tout ça est uniquement dû à mon talent. La prochaine étape consiste à tout découper avec beaucoup de précautions. Ouais, c'est sûr, sinon on va se retrouver avec des murs tordus, des fenêtres cassées et ce sera du grand n'importe quoi. Chers adultes, vous voulez bien nous aider? On s'en sortirait tellement mieux avec vous. Je crois qu'il est temps que je rappelle la fête du logis. Bon, Su, arrête, tu
J'en mets partout. Et voilà le résultat. Maintenant, il est temps de passer à la prochaine étape. Restez avec nous, les amis. Et voilà, tous nos petits édifices sont maintenant terminés. En revanche, on ne sait toujours pas où vit notre petit personnage. Excellente question, Su. Les amis, il est temps de faire appel à vos connaissances en géographie. Pourquoi pas l'Afrique? Je sais pas trop. Ou bien l'Asie? Oh, j'ai trouvé. Pourquoi pas le pôle Nord, hein? Achou! Oh, encore mieux. Et si on l'envoyait dans l'espace? Bon, par contre, faut qu'on dessine l'espace avant. Pourquoi pas? C'est tellement amusant de créer de nouveaux paysages. D'ailleurs, moi aussi, j'ai quelques idées. Les amis, vous en avez une? Alors, c'est parti! Si, je n'y comprends plus rien. C'est l'hiver, l'été, le printemps ou bien quelque chose de totalement différent? Oups, désolée Sam. Attends, je vais arranger ça. Pardon, excuse-moi. Soudain, un gros nuage menaçant apparut au-dessus du village. Ah non, hein? Prends sa ville un nuage. Hein? Oui, suis doucement, enfin. Oh, d'habitude, c'est moi qui gagne. C'est le monde à l'envers. Oh, ça me fait penser. On n'avait pas encore fait le jour et la nuit. Génial, Sam. On n'a plus qu'à y ajouter notre joli paysage. Mais si on ne peut pas faire la nuit sans les étoiles, c'est pas le travail. Je suis déjà dessus, mais il va falloir que je me dépêche un petit peu. Et voilà. À moi d'y ajouter ma petite touche perso. Oh, chaud devant. Ah, Sam, mais qu'est-ce que tu fais? Il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis un petit slime dévoué. Ah. D'ailleurs, si maintenant tu peux coller l'ensemble. C'est déjà fait. Vous voulez jouer, les amis? Quoi? Maintenant? Mais je suis pas prêt, moi. Prêt, les amis? Et si on allait faire les courses? D'accord, allons à l'épicerie. Non, à l'école plutôt. Sam, c'est seulement pour voir si tout fonctionne bien. Oh, d'accord. Les amis, restez avec nous pour la suite des événements. C'est bon? Tout le monde est prêt? Si toi tu l'es, alors on l'est aussi. Je suis toujours prêt. Dans ce cas, on peut y aller. Il était une fois une jeune fille en papier qui vivait dans un monde entièrement fait de papier. Oh, j'adore cet endroit, c'est super! Elle y découvrit une petite maison adorable et décida d'y vivre. Vous voulez connaître la suite de ses aventures? Waouh, cette maison est immense! C'est fantastique! Et si j'allais faire un petit tour pour découvrir le village? Oh, il y a une épicerie au coin de la rue! Et si j'allais y faire un tour? Oh, j'ai tellement faim! Dans ce cas, allons faire quelques courses. Ça tombe bien, l'épicerie est à deux pas. Ah, nous y voilà! Je vais acheter des chips et du soda. J'espère que j'ai pris mon porte-monnaie. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Oh, regardez! Le temps de faire le tour du quartier et le soleil est déjà couché. La soirée peut commencer. Enfin, de retour à la maison. Il est temps de dîner. Bon appétit! Ça a l'air bon, j'en ai l'eau à la bouche. Je vais aller manger un petit quelque chose, moi aussi. La journée a été longue. Il est temps d'aller se coucher. Avant, je vais prendre un bon bain bien chaud. Ça va m'aider à me détendre. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, tout le monde. C'est déjà terminé, Sue. Je veux connaître la suite de l'histoire, moi. Chut, tu risques de la réveiller. Regarde, c'est déjà le matin. La journée peut commencer. Youpi, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Bien sûr, c'est la rentrée aujourd'hui. Et si on l'accompagnait à l'école? Démarrons la voiture. Oh oh, on dirait qu'il y a un problème. La voiture est en panne, mais notre jeune fille a plus d'un tour dans son sac. Alors, est-ce que ça fonctionne? Youpi, elle est réparée. Vite, il faut se dépêcher pour ne pas être en retard. Ouf, pile à l'heure. La cloche vient juste de sonner et les élèves entrent dans la salle. Est-ce que c'est la seule élève de l'école? Est-ce que je peux y aller moi aussi? 3 x 3, 9, 5 x 5, 25. Waouh, elle est super douée en maths. Notre petit personnage en papier se débrouille comme une grande. Elle a bien mérité une récompense. Les cours sont maintenant terminés, mais il est encore tôt pour rentrer à la maison. Et si on allait à la poste? Bonjour, je viens chercher un paquet que ma mère m'a envoyé. Oh, ses parents lui ont envoyé un petit cadeau. Comme c'est mignon. Le voilà. Hé, merci. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, un skateboard, génial. Ça fait tellement longtemps que j'en rêvais. Tu veux bien m'acheter la même, s'il te plaît? Avec plaisir, Sam. Ah ouais, génial. Waouh, elle se débrouille bien. Nom d'une hirondelle, j'ai l'impression de voler. Je me suis bien amusée. Regardez, c'est déjà le soir. Il faut vite que je rentre, j'ai encore plein de choses à faire. Je dois d'abord faire mes devoirs. Waouh, il y a tellement de choses à apprendre. Oh, regardez, il semble que notre petit personnage est un visiteur slime. Oh, je crois bien qu'ils vont faire la fête. Génial. Youpi,
c'est le plus beau jour de ma vie. L'histoire vous a plu, les amis? Et si on jetait un dernier petit coup d'œil à notre création du jour? C'est parti! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce jeu t'a plu, Sam? Ah oui, si, je l'adore. Je n'ai pas du tout envie de partir. Dans ce cas, tu n'as qu'à rester là. Et si, est-ce qu'on peut faire un gâteau? Vous avez aimé jouer avec nous, les amis? Alors mettez-nous un like. Et dis, si, tu leur as déjà dit qu'ils pouvaient s'abonner? Oh, c'est vrai. Et abonnez-vous à notre chaîne, bien sûr. On a des vidéos de poupées, de preuves.